Laurent Magazine, bonjour. Nous allons continuer aujourd'hui l'émission avec l'homme piranha. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Donc nous avons une épée qui malheureusement ne casse pas les blocs. Donc on doit aller justement chercher ce qu'il nous faut. Et on va aller dans le monde du Lézardman. Donc on remonte tout en haut du moulin. Et cette fois-ci, nous allons à droite. Et toujours pénible ce nuage. Donc là, ils sont un peu plus pénibles, les monstres, de ce côté. Bon, une fois que j'aurai l'armure, ce sera beaucoup plus simple. J'ai des flèches, super. Ouais, ok. Ok, allez, j'avance, je perds du temps. Tiens, prends ça, prends ça, et ça. Oh, mais oh, tu vas crever. Même les grenouilles bleues, elles crevaient plus vite. Lâche-moi. Ah, au moins de la vie. Ah bah, d'ailleurs, je vais bientôt crever. Oh, merci, c'est gentil. Ok. Alors, des génies rouges. Ouais, super. Ok, bah je vais pas le chercher. Ok, allez, on monte. Là, il y a des plantes, des tournesols. Tiens, prends ça dans la figure. Et j'ai récupéré une potion et de la vie. On continue. Ah, c'est bon, j'ai récupéré toute la vie. Tiens, prends ça. Ça. Ah bah là, il a fallu deux coups. Qu'est-ce que je voulais faire? On va faire ça. Bah super, c'est pour rien du tout. Ok, vas-y, le troisième encore. Super, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, j'ai pratiquement plus rien là. Donc tu fais comment là, ça? Ok, merci. Allez, déjà un en moins. Enfin, un sac, c'est pas grave. Allez, là c'est le bon timing ou pas? Allez, tire ou pas? Non, allez, je saute. C'est bon, pour l'instant je m'en sors. Allez hop, je saute. Allez, sur la droite. Tiens, prends ça. C'est bon. Ouais, donc là maintenant j'ai que des potions. Hein. Ah, il m'énerve le squelette quand il danse comme ça. Allez, viens là. Voilà, un peu de vie. Ça c'est bon. Ok, ok, allez vas-y. Allez super, allez c'est bon, je vais crever. Vite. C'est bon, heureusement. Alors, j'arrive ici, dans une salle. On va aller direct au coffre. Allez, de l'argent. Monnaie, monnaie. Des orages et on va aller directement dans la boutique. Et on va prendre l'armure du dragon à 300. Donc avec cette armure, elle est cailleuse et elle résiste à la lave. Donc là, par contre, vous pouvez tomber dans la lave, vous ne craignez plus rien. Chose que ce n'était pas le cas juste avant. Allez, c'est parti. Et ici, je crois qu'on revient au village. Ah non, c'est pour se soigner. Non, c'est bon, ça ira. On va essayer. Moi, je suis comme ça, je tente. Allez, tiens, tiens. Ok. Par contre, est-ce que j'ai bien mis l'armure
Du dragon, oui. Allez, c'est parti. Donc là, comme vous pouvez le voir, je saute dans la lave et je crains plus rien. On va sur la droite parce qu'il me faut un objet qu'il y a forcément de l'autre côté. Oh là là. Je vous assure, vraiment, ce squelette, il me saoule à chaque fois. Ah là, en plus, maintenant, il est super. Vas-y, fous-moi de l'autre côté, bien sûr. Allez. Tout ça pour un sac de pièces, je sais. Vous allez me dire, on s'en fout. Ah, de la vie. Allez, avance. Tiens, tiens. Allez, de la vie. Non, non, même pas. Oui, de la vie. Allez, des sous. On saute. Donc là, je me protège forcément quand il y a une boule de feu. Ou pas. Voilà, une pièce. Et j'arrive enfin au bout du niveau. Ouvrir. Donc là, je vais remonter. Et je passe de l'autre côté. Ici, je vais monter. Et qu'est-ce qu'il y a donc ici? Une salle de transformation. J'ai pas besoin du lézard, j'ai besoin de la souris. C'est tout bon. Allez, je descends. Je ressors. Je vais venir ici. Et comme tout à l'heure, on va sauter et s'agripper. Voilà. Et je monte tout en haut de la tour. C'est pas réponse que je vais voir, mais plutôt un coffre. Voilà, j'ai récupéré un anneau. Alors cet anneau, vous l'avez dans les accessoires qui sont ici. C'est un anneau du tonnerre. Donc ça vous permet de détruire des blocs. Et comme vous allez le voir, voilà, maintenant je peux détruire les blocs. Je redescends. Et je reviens dans la pièce qui était juste précédemment. Et je peux détruire maintenant tous les blocs. Voilà, petite pièce. Et des sous. Donc je reviens au village. Alors, je vais revenir dans cette maison et vous voyez qu'ici, depuis le début, il y a un petit bloc. Alors, ceux au-dessus, malheureusement, je pourrais pas les détruire tout de suite, mais celui-ci, eh bien, vous avez un point d'interrogation. À quoi ça va me servir? Eh bien, on va rentrer dans cette porte secrète et maintenant, vous avez une pièce de transformation qui est au village. Donc là, je vais redevenir en pyramana. Ah, j'ai dû vraiment du mal, je vais le dire en français. En homme piranha. Bah, même en français, j'ai du mal. Allez, on saute dans le puits. Et je vais retourner à la plage. Alors déjà, ici, je peux également venir ici. Hop. Les sous. Alors, qu'est-ce qu'on a donc? Eh bien, l'épée porte-bonheur et l'armure samouraï. Je crois que je peux prendre les deux. Bon, cependant, il y a d'autres choses qu'il va falloir que je fasse attention. Là, c'est bon, j'ai de la vie. Allez, on redescend. Voilà. Et je vais jusqu'à la plage. Je veux juste vérifier. Alors, l'épée, ouais, j'ai l'épée porte-bonheur. Mais est-ce que du coup, Shogun... Ah non, porte-bonheur est plus forte. Ensuite, j'ai le bouclier. Ouais, celui-là, le Shogun est plus puissant. Et l'armure. L'armure samouraï est plus puissante. Allez, on continue comme ça. Je vais sauter dans l'eau tout de suite. Et je vais aller de ce côté, comme vous pouvez le voir, maintenant on peut y accéder en nageant. Le bouclier aquatique, super, voilà, il me semblait bien que... Oh, voilà. Super, alors là la manette elle a complètement disjoncté. Eh bien j'ai... tant pis. Bon, bah je rachèterai... À moins que vous voulez me donner peut-être beaucoup d'argent, c'est parti. Allez, oui, de l'argent. Ouais.
Peut-être que comme ça je pourrais... Bon, ça m'étonnerait avec les petites pièces que je me fais. Ok. Ok, là je joue comme un pied. Super. À tous les ennemis, je vais me prendre une baffe. Ok, et j'arrive ici. Donc, c'est l'entrée principale pour le prochain donjon. Ah, de la vie, c'est bien. 370, non, je pourrais toujours pas. Et là, je descends. Me voici dans les profondeurs de l'océan. Je ne suis pas avec la petite sirène. Non, non, vous êtes toujours chez Laurent Magazine avec Wonderboy. Voilà, ça... Et je sais plus si j'ai assez de sous, dis donc. On va essayer de continuer encore. Oh, j'ai un doute. Bah, on va quand même essayer de retourner voir si je peux acheter le bouclier aquatique. C'est là où il me rapporte beaucoup moins de points et là j'ai fait tout ça pour rien. J'aurais pu le racheter après. Et je perds toujours de la vie. Allez. Ouais, super. Je fais que de perdre de la vie. Allez, vas-y, continue. C'est ma fille. C'est ma journée, c'est ma fête. Allez, c'est parti. Ah, merci. Quand on gueule, ça marche. Alors, j'en suis à 500, oui, ça devrait être bon. Alors. Oui, c'est bon. Alors, est-ce que du coup, j'ai fait ça pour quelque chose? Bouclier aquatique. Ah, bah oui, 132. Il est quand même plus puissant. Allez, on retourne de l'autre côté, ça valait au moins le coup. On dirait un phoque à chaque fois. Là, allez, l'entrée est ouverte, je remonte et je descends. Hop là. Oui, sympa. Encore des petits sacs, oui. Ah bah... Ouais, mais bon, déjà, comme vous pouvez le voir, ça me touche beaucoup moins au niveau de la vie. Hein. Je me suis pris une boule de feu. Vous voyez, la vie, elle bouge pas trop maintenant. Et merci pour la vie. Des sous. Ah, mais c'est pas vrai. Je m'approche trop des ennemis. Hein. Je suis proche. Alors, donc là c'est assez simple, vous passez juste en dessous des blocs, on remonte. Donc là on va essayer de... Oups. Ah là là. Polochon qui m'embête. Voilà, et là il y a une porte. Alors je sais pas si c'est... Qu'est-ce que c'est déjà? Bon, bah j'en ai pas besoin. Allez, on se barre. C'était l'infirmerie. Hôpital, oui, bon, comme vous voulez. Ici. Allez, tiens, prends ça, prends ça. Ok, bon, là, c'est bon, j'ai récupéré toute ma vie. Encore des sioux. Hop, toi, Polochon, au revoir. Et là, je descends. Et bah voyons, allez. Polochon qui m'embête. Je les ai tués, voilà. À gauche encore. Voilà, ici, il y a une porte. Mais qu'est-ce qu'il y a donc? Eh bien, un coffre avec... Un cinquième cœur. Allez, je refais le tour.
dégommer Polochon. En même temps, Polochon, s'il avait la gueule comme ça, je pense que Disney, ils auraient pas vendu beaucoup de personnages, hein. Ni de produits officiels, plutôt. Je sais, vous allez me dire en même temps, j'ai une gueule horrible aussi en Aquaman, hein. Mais moi, je ne vends pas de produits officiels Disney. Allez, c'est parti, je rentre. Et je suis donc dans le bateau, dans l'épave. Ah ben, ça commence bien. Viens ici, fantôme. Donc, nous avons des fantômes qui, forcément, apparaissent devant moi. Donc, je suis obligé de marcher doucement. Voilà. Il y a des citrouilles. On va les appeler Tim Burton. Voilà, super. On a Scream qui apparaît. Et Tim Burton. Ouais. Voilà, tiens. Et des sous. Ensuite. Allez, un Scream en moins. Voilà, ensuite. Je suis vraiment une quiche pour jouer aujourd'hui. Allez, c'est bon. J'ai récupéré de la vie, heureusement. Ok, allez, c'est parti, en avance, on court. Et voilà, on peut rentrer. Il était où, lui? Je l'avais pas vu. Voilà, allez, un cyclope. Et lâche-moi. Bon, mon épée, comme vous voyez, elle est pas terrible, hein. Il faut lui donner au moins 7 coups pour qu'il meure. Allez, des cœurs, c'est bon, merci. Hop, des sous. Et ciao, parce que sinon il va me tirer dans le dos. Allez, hop, ça, on passe. Aïe, 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 aïe. C'est pas gentil. Évidemment. Bon, je récupère, hein, parce que quand même, vous allez me dire, je suis avare, mais en même temps, si j'ai besoin d'acheter des armures, des épées et tout ce qu'il faut, il me faut des sous. Ok, ça, je sais pas, et voilà, mais je fonce toujours. Allez, je rentre. Des pieuvres, enfin, des pieuvres ou des phoques. Voilà, Scream est mort. C'est bon. Un gros cœur. Bon, forcément, quand ça annonce un gros cœur, c'est qu'il va se passer quelque chose. Des sous. Ensuite. Ah, il est bleu, celui-ci. Aïe, ça fait mal. Vas-y, tire, ok. Une potion. On va faire ça. Allez, ciao. Ah, évidemment, l'autre. Voilà. Et on monte tout ici. Et ça y est, Captain Dragon! C'est parti, il me jette ses crochets. Super. Ah! Enfoiré. Alors, c'était comme ça à l'époque. J'étais tout vert avant. Très vert fluo, hein, quand même.
Oups. Bon, on va repasser sur les graphismes actuels. Donc là, il saute. Et non. Bon. Je n'y arrive pas. Ah bah ça enfin 84, allez, on y croit quoi Ban. Ouais, il me coince dans les coins à chaque fois. Je me prends tout le temps un truc. Hein. Allez hop, 76, oula. 72. J'ai vraiment une épée pourrie. Hein. Allez, 64. Par rapport aux autres dragons, celui-là, il me donne du fil à retordre. J'appuie tout le temps sur les mauvais boutons. Je vais devoir utiliser bientôt ma potion. Perdre quelques points histoire de pas passer pour quelqu'un qui ne donne qui ne l'attaque pas. Allez hop, une option, une potion pardon. Donc dès que votre vie elle arrive à zéro, elle s'utilise automatiquement comme Zelda avec l'effet. C'est pas possible. Allez, je vous assure, habituellement je le bats très vite, mais là je suis en vidéo, en streaming, et du coup ça fonctionne pas forcément. C'est un peu comme Patrice Carmouze pour ceux qui connaissent, on va me dire oh, le vieux. En gros, à chaque fois qu'il voulait présenter un truc, ça ne fonctionnait pas. C'est un peu ça. C'est bien. En tout cas, je suis venu et j'ai perdu. Allez, 53. Ah, ces options, à chaque fois, le bouton est très mal placé. Hein. Allez, 41. 37. 29. Ah bah, j'y arrive mieux maintenant. Oh, c'était juste histoire de vous faire croire que... 25. 2e potion utilisée. Ne nous emballons pas trop vite. Hein. Allez, 17. 13. 13. Allez, plus qu'un coup, là. Oh! Ah, enfin! Mais décidément, là, vraiment, pour se mettre, j'ai l'impression... Ah non, c'est pas possible. Mais j'ai eu la poisse tout le long. J'ai même pas récupéré de sous. Bon, me voici donc transformé en petit minou. Je suis en lion. Bon, je vais juste vérifier quelque chose. Bon, je vais prendre l'armure de gobelin, mais je suis encore très loin du bouclier du maître. Tant pis. Ensuite. Et je peux retourner au village.
Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était donc la vidéo d'Aquaman, on va l'appeler comme ça. La prochaine vidéo sera bien sûr avec Petit Minou, avec le petit lion. Donc je vous dis à très vite. J'espère que encore une fois la vidéo vous a plu. Merci encore de me suivre. N'hésitez pas à mettre un pouce, de liker, de partager, de vous abonner et de commenter si vous avez des choses à me dire. Je vous dis à très vite chez Laurent Magazine. À ciao.